Good morning, allez, Iden. Nous sommes le mardi 26 Adar, ben 5776. Elle étudiera le Lishmat Rivka Batsara Rachel Batsara. Nous étudions Baba Kama Perekret Mishnah Gimel. Amaket Aviv Vetimo Velo Asabahem Chabura. Veachovel Bachavero Beyom Akipurim Chayav Bechulan. Achovel Beved Ivri Chayav Bechulan. Excusez-moi. Veachovel Beved Ivri Chayav Bechulan Chutz Minashevet. בזמן שהוא שלו. החובל בבית כנעני של אחרים חייב בכולן, ורבי יהודה אומר, אין לעבדים בושת. משנה, סיפרי, en deux parties. Dans la première partie, on va évoquer de nouveau le fameux sujet de Kim Lei Bederaba Mine, qu'on a déjà rappelé au moins 6 fois, 7 fois plus ou moins, qui consiste à dire, lorsqu'une personne se fait condamner de deux, inculpé de deux, c'est en théorie, doit se faire inculpé de deux interdits, un grave et un moins grave. Alors la halakha nous dit Kim lei bederaba mine, occupe-toi de le juger uniquement en rapport à la condamnation stricte et pas à la moins grave. C'est-à-dire, concrètement, lorsqu'un homme, l'exemple qu'on a toujours rapporté, qui va planter un couteau et déchirer une chemise et tuer comme ça son prochain, alors on va le condamner à mort uniquement, mais on ne va pas lui dire par contre de rembourser aussi la chemise. D'accord ? Et on apprenait même que cette règle est en vigueur même lorsqu'on ne va pas le condamner concrètement à mort parce qu'il manquait certaines conditions. Par exemple, qu'il n'a pas fait exprès de le tuer. Mais malgré tout, puisque t'as transgressé, oh, il était shogeg. Shogeg, c'est une certaine responsabilité, mais il n'est pas condamnable à mort pour ça. On va lui dire, puisque tu as une certaine... puisque tu as transgressé, malgré tout, l'interdit de tuer, même si tu n'es pas condamnable, on ne va plus se soucier de te dire de rembourser la chemise. D'accord ? C'est la grande règle de Kim Lei Bederaba Mine. La Mishnah maintenant va continuer à évoquer deux cas d'homme qui cause un dommage à son prochain en frôlant l'interdit de condamnation à mort mais sans le transgresser. De ce fait, on lui demandera dans ce cas-là de rembourser, de payer puisqu'il n'est pas condamnable à mort puisque concrètement il n'a pas transgressé le grave interdit. Concrètement, la Mishnah évoque deux cas de figure. Le premier d'abord, celui qui frappe son père ou sa mère. Dans la Torah, il y a marqué « Umake aviv eimo mot yumat ». Un homme qui frappe son père et sa mère est « Chayav mita ». Il est passible de mort. D'accord ? Mais sur ça, il y a une condition. C'est qu'il leur fasse sortir une goutte de sang même, avec le coup qu'il leur donne. D'ailleurs, de manière générale, un médecin se passera d'opérer ses parents, même de tout simplement, si c'est un infirmier, de piquer son père ou sa mère, parce qu'il va lui faire sortir une goutte de sang. Il y a en cela un interdit, sauf quand il y a piquoir nefesh, bien sûr. Donc, un homme n'a pas le droit de faire sortir, de frapper son père et sa mère, de leur faire sortir une goutte de sang. La Mishnah nous enseigne, celui qui frappe son père ou sa mère, sans leur faire sortir de sang, donc, amake aviv ve'etimo, celui qui frappe son père et sa mère, velo asabaem chabura, et il ne leur a pas fait une blessure, une cicatrice, enfin une balafre. Donc, on saute sur le dîner la lacha, chayav bekulan, il devra lui donner les 5 tachlumines, nezek tzar, ripui, shevet bochet, puisqu'il n'a pas encore transgressé l'interdit sur lequel on est théoriquement condamnable à la mort, de ce fait, il devra lui rembourser à son père les 5 tachlumines, les 5 indemnisations, nezek tzar, ripui, shevet bochet. De la même manière aussi, la Mishnah nous enseigne aussi, vachovel bachavero beyom kippourim, celui qui blesse son prochain à Yom Kippour, au lieu de lui demander pardon, il a mis une tarte, il a fait saigner devant tout le monde le nez, par exemple. D'accord ? Donc, il a fait sortir du sang, cette fois-ci. En théorie, celui qui fait sortir du sang en Shabbat, il y a un chiyuv mita. Lorsqu'on a voulu frapper quelqu'un, et qu'on l'a fait sortir du sang pendant Shabbat, il y a en théorie un chiyuv mita, étant donné qu'on fait sortir... on fait sortir du sang, c'est une tolda de chochet, d'égorger, d'accord, de tuer un animal. Chaque goutte de sang transgresse cet interdit. Quelqu'un qui a une blessure pendant Shabbat, il ne doit pas buer pour faire sortir plus de sang. Et en cela, un interdit de la Torah. D'accord ? Mais par contre, à Yom Kippour, alors à Yom Kippour, il n'y a pas de chiyuv qu'il a du Bet Din, il n'y a qu'un chiyuv malkout et un chiyuv karet bideshamaim. C'est-à-dire, lorsqu'on transgresse, transgresser Shabbat est plus grave que transgresser Yom Kippour, même si tout le monde fait le contraire. Ben, bonne question, j'ai pas de réponse. Concrètement, transgresser Shabbat, on est chayav skila, le Bet Din lapidé. Tandis que celui qui transgresse Yom Kippour, du point de vue du Bet Din, il n'y a pas de chiyuv mita, il y a un chiyuv karet bide shamaim,
Israël est passible de retranchement. Le ciel fera en sorte qu'il mourra très rapidement, jusqu'à la moitié de sa vie, la moitié de son âge. Mais par contre, il n'y a pas de chiouv mita. Il y a juste un chiouv malkout. Comme tout celui qui transgresse n'importe quel interdit de la Torah, on lui donne malkout. On lui donne les 39 coups beddin. En l'occurrence, ce n'est pas un chiouv mita. Donc, il devra cette fois-ci dédommager lorsqu'il a mis un coup à Yom Kippour et payer les 5 tachloumim. Précision importante quand même, une Mishnah qu'on apprenait la semaine dernière, lorsqu'on apprenait dans le Bar Tenora, on avait appris que celui qui vole et qui égorge à Yom Kippour, on avait appris qu'il devra payer les 4 et 5 fois, mais le Bar Tenora nous précisait, attention, ce n'est qu'à condition qu'on ne l'a pas averti. Parce que si on l'a averti, alors là on le rendra Chayav Malkout et on ne le rendra plus Chayav Tashlumim. On rendra passible de flagellation, on le frappera, on lui donnera les 39 coups et on l'imposera plus de dédommager cette fois-ci. Parce qu'il y a aussi une halakha qui nous dit qu'on lui fait juste Risha Achat velo shte Rishayot, Mishum Risha Achat Adam Yichayo. Condamne-le d'une seule condamnation et pas de deux condamnations. Mais là-bas, la différence avec Kim Levi Darabamine, c'est uniquement lorsque concrètement on va le condamner. C'est-à-dire, je m'explique. Un homme qui transgresse un interdit à Yom Kippour est en théorie Chayav Malkout. On doit normalement lui donner les 39 coups. Pour qu'on le condamne, concrètement, il faut deux témoins qui l'avertissent et qu'ensuite les deux témoins l'amènent au Bet Din et disent qu'il a été mézid. Il a volontairement transgressé Yom Kippour alors qu'on l'avait averti. Il sera Chayav Malkout. D'accord ? Si on ne l'a pas averti, par exemple, et qu'il y a des témoins, alors cette personne ne sera plus Chayav Malkout. De ce fait, là-bas, on apprenait dans le Mishnah Zayin que lorsqu'il égorge à Yom Kippour l'animal volé, si on l'a averti, alors il sera Chayav Malkout, il ne payera plus les 4 et 5 fois, il payera juste le Kefel. Par contre, si on ne l'a pas averti, il devra payer 5 fois. D'accord ? Dans notre Mishnah maintenant, on apprend que la halakha n'est pas comme ça. Celui qui cause, qui blesse son prochain à Yom Kippour volontairement, alors là, cette Mishnah nous dit, cette fois-ci, même s'il l'a averti, il devra le dédommager, le payer et on le frappera pas, d'accord ? Il y a une halakha, quand on fera le Bar Tenora, on apprendra qu'il y a un pasouk spécial, la Torah est venue inclure ce cas précis lorsqu'on frappe à Yom Kippour pour nous dire, même si en théorie, selon les règles que je t'ai apprises dans toute la Torah, tu devrais plutôt le frapper plutôt que lui demander de rembourser, cette fois-ci, lorsqu'il porte atteinte à son prochain, il devra le dédommager et pas être frappé à la place, d'accord ? Voilà pour la première partie de la Mishnah. Donc on l'a fait dans les mots. Allez, on la reprend, c'est pas grave. Amaket avivetimo velo asabem chabura. Donc celui qui frappe son père et sa mère et qui n'aura pas fait de blessure, il n'aura pas fait sortir de sang. Ou bien vachovel bachavero beyom akipurim. Celui qui frappe son prochain à Yom Kippour en lui faisant sortir du sang. Et selon même ce qu'on a rajouté, même s'il y a eu des témoins qui l'ont averti, qui l'ont dit attention, tu es chayav malkout. Malgré tout, chayav bekulan, il devra payer les 5 dédommagements. Nezek, la dévaluation du corps. Tsahar, la souffrance, la douleur. Ripouille, les soins médicaux. Chevet, le chômage. Bochette, la honte. Voilà pour la première partie de la Mishnah. Deuxième partie maintenant de la Mishnah, on va parler des esclaves. Alors une petite introduction d'abord. Lorsqu'on parle des esclaves, il y a deux familles. Concrètement, il y a beaucoup plus que deux sortes d'esclaves. Mais en tout cas, il y a deux familles, deux esclaves très distincts. Il y a ce qu'on appelle le Eved Ivri et le Eved Knani. Eved Ivri, Milachon Ivri, Ivrit, c'est la même chose, l'hébreu, un esclave juif. Et il y a ce qu'on appelle Eved Knani, un Kenaanéen, qui en réalité qui implique en fait tous les esclaves goy qu'on pourrait avoir. D'accord ? C'est deux notions très différentes dans toute la Torah, chaque fois qu'on parle des esclaves. On va parler d'abord du cas simple. Un Eved Knaani, lorsque j'acquiers un goy, autant qu'en Amérique encore et encore pas longtemps, il y avait des esclaves, les gens achetaient des esclaves, c'était un bien, concrètement. Autant que j'ai des animaux, j'ai aussi des esclaves. Et c'est mon bien à 100%. Il n'a aucun droit, cet être humain-là, qui a une apparence humaine. C'est un bien à moi, tout comme j'ai des animaux, ça c'est un animal sophistiqué qui me sert. Il m'appartient à 100% pour l'éternité. Lorsqu'un homme décède, c'est ses enfants qui en héritent. Il lui reste à lui tout le temps. D'accord ? À la différence du Eved Ivri, un esclave juif. Un juif peut se vendre aussi en esclave à son frère juif,
ou même à un goy, mais c'est pas notre sujet pour l'instant. Donc, un homme peut se vendre à son frère juif, mais alors malgré tout, il sera d'une certaine manière, deviendra son bien, mais avec une responsabilité très limitée. Pour la simple raison qu'avant d'être l'esclave d'un homme, un juif est un esclave d'Hachem. Ki avadai hem velo avadim la avadim. Hachem, il a déjà un droit sur nous. Il t'impose des tas de choses, de faire des mitzvot tous les jours. Il t'impose des tas. Un juif ne peut pas être acquis concrètement. On peut avoir un certain droit sur lui quand on l'acquiert. Il y a effectivement un certain droit. Il y aura même un droit qui il y aura une certaine forme d'héritage. Mais malgré tout, dans son foncièrement, il reste un homme presque libre. D'accord ? L'idée, en théorie d'abord, je pense qu'elle est claire. Et alors, de là vont découler des halakhot qu'on va prendre maintenant dans cette Mishnah lorsqu'on lui porte atteinte, lorsqu'on lui cause un dommage. Tout d'abord, lorsqu'on acquiert un juif, ça n'existe pas un juif qui est acquis pour l'éternité. Même qualitativement, on a dit que son niveau d'acquisition est très faible. D'accord ? J'ai juste un certain droit sur ses mains, que lorsqu'il produit, ses mains m'appartiennent d'une certaine manière. Le fruit de ses mains m'appartiennent. D'accord. Même ça, c'est pas évident. C'est-à-dire, il y a une part de ses mains qui m'appartiennent, mais il peut en même temps faire un deuxième travail, alors ce qu'il fera en plus, ça lui appartiendra à lui. C'est très spécial, c'est très limité. J'ai une emprise très faible sur un juif, lorsque je l'acquiers en esclave. D'accord ? En plus de ça, en plus donc du niveau qualitativement, il y a même quantitativement, il ne peut pas être acquis pour l'éternité. Au maximum, il est acquis pour une durée limitée, et au maximum, il y a tous les 50 ans, le yovel, le jubilé, ça se dit en français, le yovel, ouais, ça correspond, yovel, jubilé, le yovel, donc tous les 50 ans, il y a à un moment, une station où tous les esclaves sont libérés, c'est impossible de rester là-bas, de passer le yovel. D'accord ? Ça, c'était pour l'introduction générale. De là, de cette approche tellement différente, vont découler les deux cas de figure qu'on va évoquer. Lorsque je cause un dommage à un esclave, à mon esclave ou même à l'esclave de mon voisin. Dans la Mishnah, on va plutôt s'intéresser au cas où je cause un dommage à mon propre esclave lorsqu'on parle du Eved Ivri. Alors la Mishnah va nous dire concrètement, lorsqu'on parle d'un Eved Ivri, d'un esclave juif qui appartient à un juif, alors c'est vrai que j'ai affaire d'une certaine manière au propriétaire, mais j'ai aussi affaire à l'esclave. J'ai causé un dommage à l'esclave avant de causer un dommage au maître. En l'occurrence, lorsque je vais le dédommager, je vais le dédommager à lui. Et le maître pourra malgré tout récupérer un certain dividende de l'indemnisation que j'ai reversée à l'esclave. À la différence de celui qui cause un dommage à un Eved Knaani, à un esclave goy, qu'un juif acquiert. Même s'il devient imposé de plusieurs mitzvot, sûrement vous avez déjà entendu cette notion, mais malgré tout c'est un bien qui lui appartient. Il lui appartient autant qu'il a un animal. Donc lorsque je cause un dommage à lui, je cause un dommage au propriétaire directement. Et je dois dédommager le propriétaire sur le fait que je lui ai fait manquer son esclave. D'accord ? Je lui ai fait perdre son esclave. Donc maintenant on fait ça dans les mots et on apprend la halakha de la Mishnah. Achovel be'eved ivri, celui qui cause un dommage à son esclave juif. Chayav Bekulan, il devra le dédommager tous les 5 tachloumim, presque, c'est-à-dire Nezek, le fait que son corps a été dévalué, maintenant il coûte moins cher. Lorsqu'il sortira cet esclave, il ne pourra plus, ouais, pour prendre le cas du guitariste d'avant-hier, il ne pourra plus jouer de la guitare. Donc il faudra lui payer ses doigts en or qu'il avait avec lesquels il jouait. Donc Nezek, le tsar, la douleur qu'il a eue, Ripouille, le devoir de les soins médicaux qu'il faut le rembourser. Chevet, on va en parler tout de suite, qui est un cas particulier. Et Bochette, même la honte. C'est un être humain, c'est un Ben Israël. L'école d'avoir pour tout. Et donc, il faut aussi le payer même sa honte. Alors, concernant maintenant le Chevet, le chômage, alors la Mishnah nous dit « Chutz mina Chevet bisman sheushelo » Si moi, je cause un dommage à mon propre esclave, alors je dois lui donner tout. D'accord ? Nezek, Tsar, Ripouille, Bochette. Et Chevet, concrètement, c'est moi qui en souffre, puisque lui, de toute façon, tout ce qu'il devait produire, ça devait me revenir. Je lui ai causé le dommage, donc je ne profiterai pas de ce qu'il aurait dû produire, il va pouvoir dormir tranquillement, et moi, je n'aurai pas besoin de payer le Chevet. C'est logique. Et s'il appartient à une autre personne,
à une tierce personne, donc j'ai causé un dommage à un bedevri. La Mishnah n'évoque pas le cas, mais l'idée sera la même. Cette fois-ci, je devrai payer malgré tout le chevet au propriétaire, pas à l'esclave. D'accord ? L'idée est claire ? Donc les quatre tachloumim, celui qui en souffre, les quatre tachloumim, c'est-à-dire quand on prend les cinq qu'on évoque depuis le début du Pérec, sauf le chômage, celui qui en souffre, c'est l'esclave. Donc je donne cet argent à l'esclave. Par contre, lorsque je cause un dommage à un évêque Knaani, à un esclave Goy, alors la Mishnah nous dit « Achovel be'evet Knaani shel acherim, chayav bechulam » Celui qui cause un dommage à un évêque Knaani, à un esclave Goy, qui appartient à une autre personne, mais une tierce personne, « Chayav bekulan » il devra le dédommager, lui donner les cinq dédommagements, mais attention, le reverser cette fois-ci à son propriétaire, parce que c'est à son propriétaire qu'on a fait perdre toutes ces indemnisations, d'accord ?« Rabbi Yehuda Omer, en la avadin bochet » Et Rabbi Yehuda nous enseigne, attention, dans les cinq tachlomim, tu supprimes un, le cas de la bochette, le dernier cas là, de la bochette de faire honte, « En la avadim bochet » On apprend ça dans la marquée, dans la Torah qui a marqué un pasouk spécial où le pasouk nous dit Kinesso Neshim Yachdav, Ish Ve'achiv. Un homme est son frère, et selon Rabbi Yehuda, son frère s'implique pas l'esclave. Chachamim disent son frère s'implique même l'esclave, parce qu'en l'occurrence, l'esclave il est quand même chayav de faire des mitzvot, autant qu'une femme. Il a le mitzvotasé Shello Azman Grama. Donc d'une certaine manière, il est entré dans le peuple juif. Ça c'est pour Chachamim. Avec en plus, il y a même Chayav Brit Mila. Mais Rabbi Yehuda pense que non, c'est pas encore considéré comme ton frère réellement, il n'a pas le même rapport avec toi, il est plus considéré comme un bien, de ce fait, il n'aura pas la bochette, il aura juste les quatre autres indemnisations qu'il faudra verser directement au propriétaire. On fait maintenant le Bartenoura dans les mots. Alors, Ve'achovel b'chavero b'yom ha'kippurim chayav. On s'apporte sur le cas du début de la Mishnah, où on avait appris que celui qui cause un dommage à Yom Kippour, qu'il devra dédommager, payer les cinq indemnisations et ne pas se faire frapper avec une insistance, même si les témoins l'ont prévenu qu'il devrait se faire frapper, malgré tout on ne reçoit pas les coups sur ça. Vafalgav de Bechol Torah Kula a ouvert à Vera Shechayavele à Malkout Vetashlomin Loke Venom Shalem. Bien qu'en général, dans toute la Torah, lorsque on transgresse une Avera, un interdit sur lequel on est Chayav à la fois Malkout et Tashlomin, on est Chayav les 39 coups et en plus de ça, de dédommager. Alors là, la rano fixe, loke, veno, meshalem, comme ce qu'on apprenait dans le Pérec précédent. Il faudra le frapper et pas lui demander de payer. Malgré tout, hacha, meshalem, veno, loke. Cette fois-ci, dans ce cas précis, il devra payer et ne pas se faire frapper. Pourquoi ? Debepirush, ta Torah, chovel, bachavero, letashlomin, velo, le malkout. Parce qu'explicitement, la Torah a inclus chovel, bachavero, letashlomin, a insisté en rajoutant dans un verset que celui qui cause un dommage à son prochain devra le dédommager et ne pas se faire frapper. Midirtiv yad beyad de'ainu mamon. Ouais, la Torah l'a dit là-bas, yad beyad, quelque chose qu'on donne d'une main à une main. Mirde ktiv kasherasa kenya selo yad beyad de la mali. Tu fais que la Torah l'a déjà précisé juste avant que ce qu'elle a voulu faire, il faudra lui faire, c'est-à-dire lui demander de le dédommager. Yad beyad, lui dire de donner main contre main, pourquoi tu me le rajoutes? Et là, les avis, chovel bechavero biyom kippurim shemeshalem veno loke. C'est une règle dans la Torah. Chaque lettre, chaque mot de la Torah, il a été écrit pour une raison bien spéciale. Donc chaque lettre en trop, on l'explique, on l'interprète pour inclure des halachot un peu particulières, comme c'est le cas en l'occurrence. Rabbi Yehuda Omer, en la avadim bochet. On se rapporte maintenant sur le dernier cas de la Mishnah, sur le Eved Knaani, que Rabbi Yehuda a dit qu'un Eved Knaani, un Eved Goy, tu ne lui donneras pas la bochette. Tu ne devras pas le dédommager en lui donnant la honte. Dirtiv, ki natsu anashim yachdav ish ve'achiv. Le pasouk nous précise, lorsque deux hommes se disputeront, un homme et son frère. Pourquoi tu me répètes? Tu m'as déjà parlé que c'était deux hommes. Pourquoi tu me dis un homme et son frère? Pour t'apprendre, bemish yeshlo achva. Pour t'inclure celui avec qui tu as un lien fraternel. Yatsa eved shenlo achva. De là, on exclut l'esclave qui n'a pas un statut de frère. Ven alacha ki Rabbi Yehuda, et l'alacha n'est pas fixée comme Rabbi Yehuda. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha. Kol tov, selah.